Il est minuit. Bonne année. Bonne année. Que faire pour bien débuter la nouvelle année? Sous les jours les plus excitants de ma vie. Élections parlementaires. Les nazis obtiennent 37% du vote populaire. Je suis angoissé. Nous sommes certains qu'avec le temps, les travailleurs favorables au SPD vont nous rejoindre. Je dirais plutôt que la plupart d'entre eux rejoignent les nazis. Ce n'est pas un parti, ils n'ont pas d'idéologie, c'est juste un misérable rassemblement d'idées empruntées un peu partout. C'est un mauvais collage. Quand on comprendra qu'Hitler n'est qu'un athée de plus à la botte du capital allemand, les travailleurs l'abandonneront. Tu veux dire qu'il n'y aura pas de révolution prolétarienne? Oh, si. Ah si, ça un jour c'est sûr, c'est oui, évident. Il y en a une, oui, bien sûr. En Allemagne, elle joue que sa petite moustache noire n'est pas faite de poils. Quelque chose de dur, de brillant, des ailes de scarabée, qui sait. On dit qu'il va devenir chancelier. Edinburgh est très vieux. Il y aura des manifestations, son gouvernement ne dure pas. Et si les nazis faisaient les meilleurs films? Les nazis? Tous leurs films sont sur la randonnée en montagne. Si c'était le cas. Ah, cochon! Oh, cochon, toi, pas 5 millions de gens! Vive la révolution! Vive l'Allemagne! C'est la vie! Quelle est la prochaine étape? La défense de la Russie soviétique. Mais ici, en Allemagne? Faire un front uni contre le fascisme. Mais pas avec les sociaux-démocrates. Ah non, non, non. Pas avec les sociaux-démocrates. Enfin, tu n'as pas la fibre politique. Le mieux, ce serait que le temps s'arrête. Réfléchis, Agnès. On a besoin d'appartement. L'exubérance morale. L'exagération est ton ami. Utilise-la. Je descends dans la rue à 3h du mat avec une bombe de peinture. Régal égal Hitler. Résistez. N'oubliez pas, Weimar avait aussi une constitution. Est-ce que tu crois au diable, Agnès? Personne ne croit vraiment en Dieu. Vous voulez le rencontrer? Il viendra. Et dans ce siècle où les questions de forme sont si férocement débattues, je suis enfin parvenu à l'invisibilité. Comme un gaz en poudre qui prend son envol. Même si l'immeuble brûlait, je crois que je resterai. Et quand ce sera fini, je serais restée agrippée au dernier petit reste. Merci d'être venue. Et bienvenue en Allemagne. Oui, avouez-le, c'est un appartement génial. Je pourrais jamais trouver aussi bien si je déménageais aujourd'hui.